Et salut à tous et à toutes, c'est Fox Rider, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Allez, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va être coulage de béton. Du coup, je vais peut-être remonter un petit peu la caméra comme ça, voilà. Pour l'instant. Donc du coup là, ça va être coulage de la rampe qui est à votre droite, là. Du coup là, ça va être quand même du béton assez dur parce que la rampe, il y a quand même du coup une pente. Donc, il faut pas qu'il soit trop liquide, ou sinon, ça coule, on coule en haut et puis ça tout atterrit en bas et puis on peut pas faire la pente comme il le faut. Donc voilà. Par contre, là, j'espère. Parce qu'après, faut pas non plus qu'il soit trop dur parce que sinon. Ça ne descendra pas dans la benne. Voilà. Donc du coup, je vous fais tout ça en accéléré. Comme ça, la vidéo ne durera pas une heure. Voilà. Allez, bon visionnage à tous. Les amis, du coup, je vous ai épargné la séquence où on galérait avec la benne. Du coup, j'ai préféré couper parce que ça sert à rien. Et on était là pendant au moins 20 minutes à vouloir essayer de passer le béton avec le vibreur et tout ça. Donc un vibreur, hein, je sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'il y a dans la main là-bas. En gros, c'est ce qui sert à enlever les bulles d'air dans le béton et puis pour pouvoir étaler un peu le béton et puis en éviter les trous dans la dalle. Voilà. Bon, du coup, on repart en accéléré en espérant qu'on arrive à quelque chose ce coup-ci. Voilà, allez, bon visionnage à tous.
Thank you.
Bon bah voilà, du coup vous aurez vu un petit peu un petit peu le chantier, donc du coup le coulage de la rampe. Je vais vous faire la coupure maintenant, hein. Je vais pas vous faire montrer tout, ça va être un peu long. Mais je vais vous reprendre justement à la fin, quand on arrivera sur la fin vraiment de la rampe, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne, et puis au pire je ferai une photo quand tout sera fini. Voilà voilà, allez à tout de suite. Et voilà, alors du coup, normalement on est, il doit rester une ou deux bennes, je pense. Donc, je sais pas si c'est celle-là ou la prochaine. Donc normalement c'est les dernières bennes, ceux-là. Pour la rampe, comme vous pouvez voir, on a commencé, on a bien avancé à notre droite au niveau de la benne. Par contre le chauffeur là, à chaque fois il se met derrière, mais il reste pas derrière à chaque fois aussi, toi. C'est un truc à te faire écraser. Et il ne va pas retenir 5 tonnes. La peine, elle fait 5 tonnes, mais. N'importe quoi, mais bon. C'est pas grave. Ça, c'est. Les chauffeurs qui viennent débuter, hein, je pense. Parce que ne surtout pas rester sur une charge comme ça. À côté d'une charge comme ça. Surtout quand je l'aime. Mais bon, après, ça. Il le sait peut-être pas. Hein. On a, du coup, comme vous voyez en bas, hein, on arrive sur la fin. Ah, il en manque un petit peu derrière le bouton. Voilà. Un peu mieux mettre la caméra. Voilà, bien centré quand même. Voilà, c'est bon. Ça sera un petit peu mieux pour vous. Mieux quand même essayer de centrer un petit peu la caméra. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas fait attention si c'était bien centré. Hein. Excusez-moi si ce n'était pas bien centré. J'ai mal fait mon boulot, voilà. Je travaille mal. Donc là, c'est bon. Après, comme vous pouvez le voir, hein, l'effet d'optique, c'est assez compliqué à voir, hein, quand même. C'est quand même assez compliqué des fois à apercevoir les gars et tout ça, les signes qu'ils font, surtout aussi des fois, on a du mal à les voir. C'est pour ça que des fois, c'est beaucoup mieux être au tapis-walkie que être avec les gestes, parce que des fois, tu peux vite porter confusion. Après, il faut que les mecs aussi ils articulent bien aussi dans le taquis, puisque des fois c'est assez compliqué à les comprendre. C'est quand même assez compliqué à les comprendre. Thank you.
y a beaucoup de flotte en bas. Alors, ça va que. Ça, ça me brûle, voilà. Je sais pas comment ils vont voir pour, enfin, pour bien voir là-dedans, parce que là, c'est bourré de flotte. Hein. Oh là 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 là. En bas, c'est horrible. La flotte qu'il y a. Bon bah du coup voilà un petit peu le coulage de la dalle. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis et ben on se dit à la prochaine et pour de nouvelles aventures. Allez, c'était Fox Rider, ciao ciao.